T'as perdu ton portefeuille, tes papiers d'identité, un vieux bijou de famille ou tes clés de cabinet. Tu ne dois surtout plus t'en faire, je connais la solution. Pour retrouver tes affaires, ne te pose plus de questions. T'as perdu ta carte bleue, ton chéquier ou tes billets, et toujours ce document que tu as laissé traîner. Si tu es une tête en l'air, une cervelle de pinceau, pour retrouver tes affaires, je connais la solution. Va donc faire une neuvaine à Saint-Antoine de Padoue, ces églises sont toujours pleines de gens paumés comme nous. Va donc faire une neuvaine à Saint-Antoine de Padoue, ces églises sont toujours pleines de gens joyeux comme nous. Si t'as perdu tes bagages pendant tes trop longs voyages, si t'as perdu quelques frères pendant tes pèlerinages, pour retrouver tes affaires, passe donc par l'Italie et va prier Saint-Antoine, ce grand saint du paradis. J'ai souvent perdu des notes qu'on ne m'a jamais rendues dans ma vie de musicien, dans ma vie d'hurluberlu. Mais la volonté de faire ce pourquoi j'avais été fait, oui vraiment c'est Saint-Antoine qui me l'a fait retrouver. Va donc faire une neuvaine à Saint-Antoine de Padoue, ces églises sont toujours pleines de gens paumés comme nous. Va donc faire une neuvaine à Saint-Antoine de Padoue, ces églises sont toujours pleines de gens joyeux comme nous. T'as perdu tes illusions dans ce monde qui manigance, t'as perdu tous tes repères, je te fais une confidence. Pour retrouver la confiance, je prie un saint merveilleux, il s'appelle Saint-Antoine et m'a fait ouvrir les yeux. Va donc faire une neuvaine à Saint-Antoine de Padoue, ces églises sont toujours pleines de gens paumés comme nous. Faire une neuvaine à Saint-Antoine de Padoue, ces églises sont toujours pleines de gens joyeux comme